Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve pour un petit vlog que je vais prendre sur une semaine, puisque cette semaine c'est ma dernière semaine de stage. Je suis dans ma voiture, je viens d'arriver à mon appartement. Bon, c'est bon, je viens de rentrer chez moi. Je vais au coiffeur samedi prochain. Là ça me saoule vraiment, j'arrive plus, les cheveux longs je vous jure. Et en plus cette longueur de mi-long, j'aime pas du tout. Faut que j'aille signer mon contrat pour cet été. Et là, là avec le stage j'ai complètement lâché le sport hein, vraiment pour être totalement honnête avec vous, j'en fais plus du tout. Là j'ai pris deux bananes, pommes de terre, tomates. Comme ça, ça me permet de faire des salades le midi. Mozza et du jambon pour me faire les sandwichs. Du coup je vais faire cette recette là. J'avais déjà suivi sa recette, si vous voulez c'est elle. J'avais déjà reçu, suivi sa recette des cannelés, ils étaient super bons. Bon là du coup on a un petit souci. J'ai tous mes ingrédients et tout, sauf que j'ai pas de balance. Je viens de finir de faire mes cookies. J'ai trouvé une solution sur internet en fait avec la mesure d'une cuillère à soupe, ça te fait tes grammes. Et sinon ma pâte à cookies cru, trop bon. Bon, ils viennent de sortir du four. Voilà, donc vous voyez, ils sont un peu mous encore. Mais du coup, là, ils sont en train de durcir un peu pendant une demi-heure. Donc voilà. Bon, j'ai été me faire épiler les sourcils. Depuis février, j'y avais pas été. Du coup, ça faisait du bien, même si avec le masque, j'avais très très chaud. Parce que déjà, sans le masque, ça me donne chaud, la cire sur le visage. Ensuite, j'ai été au perceur, puisque dans la semaine dernière, mon piercing, en fait j'ai un piercing au rook et le piercing que j'avais au rook c'était deux petites boules, enfin en fait c'était un piercing et au bout t'avais deux petites boules et ça faisait plusieurs fois qu'il se dévissait, l'une des boules se dévissait, donc c'était très chiant parce qu'à remettre c'est grave chiant vu que c'est dans l'oreille là, comme ça il y a que lui qui y arrive. Je lui ai demandé de me mettre un anneau parce que je l'aimais bien le piercing que j'avais avant, mais c'était une horreur à la bille, ça faisait au moins la cinquième fois que j'allais le voir pour la remettre. Et voilà, bon appétit. Je vais aller dormir, il est 11h30. Si je suis pas à la bourre, je vous prendrai le matin. Si je suis à la bourre, je vous filmerai des moments avec mon téléphone. Et sinon, je vous reprendrai le soir en arrivant. Bon, ça m'étonne pas, je vous ai pas pris ce matin. J'étais pas à la bourre. Mais en fait, j'ai pris mon temps pour prendre une photo. Sauf qu'après, je me retrouve à la bourre comme d'hab. Là, je viens de rentrer. Il est 18h à peu près. Moi, ce que je faisais là pendant ce stage... J'étais 2 jours en télétravail et 3 jours je devais y aller. Sachant que c'est pas. C'est à peu près à 20-30 minutes de où je suis là de mon appartement. Voilà, j'ai une blouse avec un débardeur blanc, tout ça se voit. J'aime trop cette blouse, je l'ai achetée à Pinky, donc vraiment j'en suis trop contente, elle est vraiment trop jolie, je l'avais mis plusieurs fois pour des entretiens. Là j'ai un jean môme que je vous avais montré dans un haul Zaful et je vous avais dit que je savais pas vraiment si je l'aimais ou pas et finalement je l'aime plutôt bien. Il est môme donc vous voyez il est pas serré du tout. Faut juste que je mette une ceinture. Mais sinon il est vraiment large, il est vraiment confortable. Et voilà, et du coup je le mets avec mes petites bottines Zaful. C'est pas des Zaful, c'est des Stradivarius. Aujourd'hui j'ai fait, là j'avais des flyers à faire. J'ai commencé jeudi soir je crois. Donc là aujourd'hui j'ai dû les faire valider, il y avait des modifications à faire. Donc j'ai travaillé aujourd'hui sur des flyers toute la journée. J'ai fait remplir des papiers pour ma fin de stage. Bon du coup là il est un petit peu plus tard, il est 9h. J'ai fait une sieste. Hello, j'espère que vous allez bien, je viens de me réveiller, ça se voit, ça s'entend. Donc là du coup ce que je fais, je vais faire ma salade comme ça c'est fait, comme ça si je suis à la bourre, au moins mon repas il est fait. Dépêchez de le faire. Donc là je suis bien rentrée, il fait super chaud et du coup moi qui suis sous les combles là ça va, il fait pas trop chaud parce que du coup je rentre vers 18h donc en soi ça va. Bon du coup là je suis ready pour faire mon montage. Bon ce matin je vous oublie pas. Là c'est l'avant-dernier jour. Aujourd'hui en fait on est de réunion toute la journée. Je
ce matin on a fait toute une réunion. Et ce midi on a mangé McDo. Voilà, avec toute l'équipe on s'est commandé McDo et on a mangé McDo. Là je m'en vais du coup faire quelques courses. Il est 19h donc j'espère qu'il y aura moins de monde. Il fait toujours aussi chaud, je vous jure. Ouais, je vais mettre mes chaussures et je vais y aller, je vais me dépêcher. Les gars, il fait une chaleur là, j'ai pas pris ma caméra, je suis avec mon portable dans la voiture. Il est presque 20h et il fait 34 degrés encore. Bref, là je sors des cours. Demain matin j'irai chercher le petit déjeuner, j'irai à Patapin et je prendrai des pains au chocolat, etc. Je pense que ça fera très bien l'affaire. Hello, vous allez bien? Là aujourd'hui c'est mon dernier jour, on est jeudi, il fait super chaud ce matin. Ce que je fais moi quand je me maquille l'été, je mets ça. En gros c'est un spray que La Roche-Posay m'avait conseillé et qui m'avait offert et du coup que j'ai testé. Puisque moi ma peau, j'ai la peau qui peut vite prendre le soleil mais pas correctement en fait. Et en gros ça utilisait, c'est une brume qui est transparente. Et en fait ça brille pas en fait, tu peux utiliser après ton maquillage. Tu peux aussi le mettre ailleurs mais voilà, tu peux utiliser après ton maquillage en gros. Du coup pour vous montrer comment je suis habillée, bon il fait sombre hein, mais j'ai quand même mis un t-shirt noir. Ce short là un peu long, je vous l'avais présenté dans mon haul ASOS. C'est un pull NBA je crois si je me trompe pas. Et j'ai mes Converse en cuir noir comme ça. Ça y est, j'ai terminé mon stage aujourd'hui. C'est bien passé, voilà, ils étaient tous contents et moi aussi, donc vraiment super cool. Les gars, what the fuck. Alors là, c'était pas du tout prévu que je vous prenne. C'était prévu que je passe une belle nuit. Déjà, j'ai mis 100 ans à m'endormir. Donc je viens de me réveiller, hein, vous voyez. Il est 4h15 du matin. Et en gros, j'avais mon Velux ouvert. Et en fait, j'ai entendu des gouttes tomber. Donc du coup, j'ai fermé mon Velux. Ça tombe depuis 5 minutes. Mais j'ai cru que c'était des grêlons au début. J'ai eu super peur parce qu'il y a ma voiture dehors quand même. J'adore moi normalement quand il y a de l'orage, quand il y a de la pluie. Enfin ça me dérange pas du tout. Mais là du coup avec les Velux, je l'entends dans tout la part. Donc là impossible pour moi de me rendormir. Allez, attendez. Oh, je voulais vraiment m'endormir tôt et bien dormir. Bah, c'est raté. Je vais aller me coucher. Hello. J'ai trop mal dormi. Vraiment. Ça a duré jusqu'à 6h, je crois, 6h30. Bref, conclusion, j'ai très mal dormi. Mais bon, avantage, du coup, il fait un petit peu plus frais maintenant. Je viens de rentrer. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Là, je vais vous faire un avant et je vais vous faire un après. Parce que je vais être lancée dans mon truc et je vais pas forcément prendre la caméra. Donc là vous avez le bar là que j'ai ici. Si vous n'avez pas vu mon appartement de tour, ici il y a tous les papiers qu'il faut que je trie, que je ramène, etc. Qu'il fallait pas que j'oublie. On se retrouve, il est presque 3h. J'ai fini, j'ai terminé. J'ai pas passé de coup de serpillère parce que ça sert à rien et c'est pas si sale que ça par terre. J'ai vraiment passé un bon coup d'aspi. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors là je vous retrouve, on est quelques jours plus tard. Ça a été des jours un peu rush. Du coup j'ai pas du tout pensé à vous prendre quoi. Du coup je suis rentrée vendredi, comme vous l'avez vu sur les images. Samedi j'étais au coiffeur. J'avais un autre rendez-vous du coup pour signer mon contrat de cet été. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup j'ai trouvé un job cet été. Je vous en avais parlé dans ma vidéo mukbang. Mais là voilà, j'ai un rendez-vous pour aller faire ma carte d'identité. Faut vraiment que je me dépêche, je vais être en retard comme à chaque fois. Je suis tout le temps en retard en ce moment à mes rendez-vous. Bon, je vous retrouve juste pour vous parler, vous montrer quelque chose et pour clôturer ce vlog. Là il me reste une semaine de vacances, une semaine bien remplie encore, j'ai plein de trucs à faire. J'ai reçu des culottes menstruelles, je sais pas si je vous en ai parlé, donc de la marque Sister Republic. Et je voulais aussi vous faire une petite sélection cup sheet.
mais cette fois-ci de vêtements. Je vous avais montré sur Instagram, je vous avais pas montré sur YouTube. Du coup je préfère vous montrer sur YouTube puisque vous avez un code promo et vous êtes régulièrement à me le demander. Tout d'abord il y a ce petit kimono, ils font vachement de kimono, de trucs comme ça. Donc c'est un kimono qui est quand même assez long mais qui est ultra léger. Ça vous l'avez vu sur Instagram, je l'ai porté. Ensuite nous avons cette petite robe là avec des petits cœurs en motif. C'est des robes portefeuille pour ces deux robes là. Elle est très fine, hein, vraiment fine bretelle. Elle est pas trop courte vraiment au niveau des tailles. Et voilà, des petits volants vraiment trop mignonnes. Ensuite nous avons celle-ci. Donc celle-ci elle fait un petit peu plus habillée. La matière est très fine aussi. Mais elle est pas trop courte. Et en fait là au milieu vous faites un nœud. Et ensuite nous avons cette grande robe là. Et celle-ci elle est un peu plus longue. Je verrai. Je sais pas vraiment si je vais la porter. Ça c'est un peu matière lin, donc est vraiment la matière est vraiment très agréable. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir tout le côté du coup un peu plus vêtements de Capshi parce qu'ils font des trucs vraiment pas mal. Donc voilà, du coup je vous mettrai le code promo en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une blague hein, je vous jure, je suis maudit des batteries. Là j'ai deux batteries maintenant parce que je m'en suis recommandé une. Et les deux étaient déchargés, enfin bref, il n'y a rien qui va. Sinon du coup voilà, là je suis officiellement en vacances. J'ai bien fini mon stage etc, mais je vous ai dit que je vous ferai un retour. Du coup, voilà, au mois d'août je vous ferai une vidéo sur le BTS, sur le ressenti de ma première année, sur les stages etc. C'est tout, j'ai pas du tout prévu de vacances cette année. Donc voilà, mais c'est pas grave, c'est pas une priorité, je partirai en vacances plus tard. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai cru que j'allais jamais terminer cette vidéo, ma soeur m'a appelée. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos et puis voilà, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.